esa nena linda por esa cabeza loquita. Cada vez que la veo se moja los labios, mi corazón se me agita. Don't forget me, baby. Do you remember me? Por favor no te vayas, mi nena querida, y apiádate de mí. No sé lo que pasa, sin ti no puedo. Bon, j'en ai choisi un parmi des milliers, mais tous les jours c'est... tous les jours c'est que des trucs comme ça. Que de la haine, que des trucs méchants. Je sais pas pourquoi je me reçois autant de haine. Je sais pas, vous avez quoi avec moi. Mais vous voyez, au bout d'un moment, je suis obligée de vous donner l'heure. Même si à la base des bases, je vous calcule même pas un petit peu. Bref, pour répondre à ta question, je suis pas bisexuelle comme tu pourrais dire. J'ai eu une phase dans le passé où, t'as vu, j'ai fait des choses que je regrette. Maintenant, alhamdoulilah, je me suis repentie. J'aime les hommes. J'aime les hommes. J'aimerai toute ma vie les hommes. Donc je vois pas en quoi vous voulez me coller des étiquettes tout le temps. Wesh, tous les jours, une nouvelle étiquette. Franchement, c'est juste parce que vous êtes derrière un écran. Parce que je sais très bien qu'en face, vous êtes... Vous voyez, les chiens, ils aboient, mais ils attaquent pas. Ben, vous êtes exactement ça. Ces personnes-là qui écrivent ce genre de commentaires, vous êtes des chiens qui aboient, mais qui n'agissent pas. Ça veut dire si en face de moi, tu viendrais, t'aurais pas les couronnes de me le redire en face. Je sais pas. Bref, du coup, voilà. Et puis après, c'est facile de critiquer les gens par rapport à leur passé et tout ça. Mais une fois qu'ils se repenchissent, vous êtes 10 fois plus sur leur dos à leur rappeler leur passé. Sauf qu'en faisant ça, mais je vais pas vous l'apprendre, vous prenez voilà les péchés. Pendant que nous, on prend des hasanettes parce que vous êtes trop... En fait, l'humain, il est mauvais. Surtout quand là, on est en 2024, génération perdue. Mauvais, mauvais, mauvais. Que du mauvais. Vous avez rien de positif. Vous dites rien de positif. C'est que des critiques, que des insultes, que de la haine. Mais tous les jours, que ce soit moi, que ce soit d'autres influenceurs, que ce soit Mouna, tout ça, tous les jours, on se reçoit des vagues de haine, on ne sait pas pourquoi, alors qu'on ne vous connaît même pas. Genre, vous nous voyez juste à travers un écran, alors qu'en vrai, en face de nous, vous n'aurez pas la bouche pour dire tout ça. Donc, en vrai, tu peux écrire ce genre de commentaire si tu viens vers moi et que tu n'as pas la bouche pour me le répéter. Si tu n'as pas la bouche pour me le répéter ou quoi, et qu'en face, je sais que tu vas rien faire, tu vas me dire « Oh, ça va, Nina, Nina. » Tranquille bébé, voilà, tu peux garder tes commentaires pour toi, comme ça t'évitera de prendre des péchés. Voilà. Et là je parle pas par rapport que à moi, je parle des influenceurs en général. Vous voyez quand vous critiquez, vous pensez c'est bon tout ça. Mais je vous jure qu'il y a des influenceurs tous les jours pour rien, pour des trucs rien à voir. Genre comme ça, gratuit, je vous jure qu'il y en a, ils tiennent bras. Il y en a, ils font des trucs qu'ils auraient jamais pensé faire dans leur vie. C'est pour vous dire que à quel point vous êtes mauvais. En 2024, vous avez le cœur noir. Vous voulez pas le bien des humains. C'est ça que je comprends pas. En fait, cette génération, elle est vraiment perdue. Et moi, je dis pas que je suis parfaite, hein, parce qu'il y a personne qui est parfaite. Personne n'est parfaite sur Terre. Sauf Dieu. Personne n'est parfait. On fait tous des péchés. On fait tous des choses pas bien. Mais on se repentit, vous voyez, et on recommence plus. Sauf que vous, en fait, c'est tous les jours. De la haine, de la méchanceté et tout. Mais vous, je crois, vous savez pas où vous avez votre place. Sœurs, ils sont sur les réseaux, mais ils ont pas la mentale. Ça veut dire ils vont recevoir quelques messages, ils vont s'en foutre. Quand ils vont recevoir tous les jours des vagues de haine. En fait, c'est comme si pour vous critiquer, ça vous apportait un truc dans votre vie. Genre, de vrai, j'ai une question à vous poser, vous là, les méchants là, les haters. Ça vous apporte quoi dans votre vie? Est-ce que ça vous apporte de l'argent? Est-ce que ça vous apporte du bonheur? Est-ce que ça vous apporte la richesse? Je comprends pas. Parce que pour être mauvais comme ça, hey, mais vous êtes des vipères. Pour être mauvais comme ça, mais il faut avoir un genou, je sais pas, mais il faut être waouh. Starfall-là, je comprends pas. Bref, c'est mieux j'arrête de parler parce qu'on va partir dans un débat et moi je suis. Voilà. Moi j'aime trop ouvrir ma bouche et ça va blesser certaines personnes. Du coup, c'est mieux je parle pas. Mais juste évitez, s'il vous plaît. Voilà. Mouna, je vais te poser une question, c'est un test d'amitié. Ah. Est-ce que si j'aurais été une chauve-souris, tu serais mon ami? Bah non. Oh là là. Oh là là, vous avez entendu? Bah. Moi, t'aurais pu être un oiseau, une tortue, tu serais ma best friend. Mais oui, mais... Ah non, mais non, trop tard. Oh là là, cœur brisé. Ça n'aurait pas été moi. Oh là là. Mouna. Mouna, tu me nasses. Ah. Oh là là.
Chacun son chemin, y'a pas de suite. Nanana, nanana, nanana. J'suis partie, j'ai fait le vide. Nanana, nanana, nanana. J'ai... Écoutez, je viens de faire un tour sur TikTok. Je vois un acharnement de messages. Rentre chez toi, qu'est-ce que tu fous au Maroc? Acharnement. Du coup, moi, j'ai rien contre les Marocains. C'est juste que j'ai raconté des injustices que j'ai subies, certes, mais je suis pas en train de généraliser les Marocains. Faut arrêter. Il y a des bons et des mauvais de partout, premièrement. Deuxièmement, j'ai des amis marocains que je respecte énormément. Donc, faut arrêter de polémiquer, d'agrandir les choses, d'accord? Et en ce qui concerne le casino, j'ai su par la suite... Ben en fait que c'était une prostituée qui avait payé pour me faire sortir. Mais je suis pas en train de généraliser. C'est juste que je raconte ce que j'ai subi. Donc voilà. Maintenant on n'en parle plus. Oh wow, oh, tu fais quoi? Aujourd'hui je vais mouiller des mers. C'est la chaleur. C'est la chaleur. Hier il faisait 30, ouais. Aujourd'hui 32, ouais. Bientôt il fera 100. Voilà famille, tout droit à Lyon là. J'ai un rendez-vous. Je sais, ça fait longtemps que je t'appelle. Je sais. Maintenant la famille, à partir d'aujourd'hui, je vais faire que se taper. Vous allez voir, c'est bon. Comme ça vous n'allez pas dire ouais 4, mais tu dors, nanani, nanana. Là, je vais faire que se taper. Il va très 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 bien. Il est bien là. What the hell? Il est comme haut là. Encore hier, j'étais en chien. Je m'allumais devant le bloc. Allemand, toujours l'époque. C'est le groupe de choc. T'as le roi de Dubaï, la Hadi, c'était HI. Wesh, y'a tous les États-Unis ici ou quoi? Voilà, je vois qui déplace comme ça, les gars. C'est un truc de fou. Ah, c'est des Anglais. Capté. Ils font leurs vacances chez nous. Enfin. Pas chez nous, c'est pas chez moi quand même. Et chez vous, c'est quoi les Jeux? Ah, les Jeux Olympiques, d'accord. Voilà, on a fini le rendez-vous, la famille. On va manger chez la daronne à Fares. Après. Je pense qu'on va prendre la route directe. Je rentre à Perpignan. Le grand, les moustiques, ils veulent pas manger. Voilà, ils veulent pas manger les moustiques, frère. Voilà. Regardez. Voilà, ils veulent pas manger. North Face parce qu'il fait berda. Je pense qu'on fait le tour du monde comme David Guetta. Je fais le tour du secteur, j'ai vu plus d'un petit guetté. Les gens disent ils ont confiance. Moi, les gars, je suis obligé de mettre ça là. Parce qu'à chaque fois, je rentre dans l'eau. Voilà, mes oreilles, elles me tuent. Ah, quand je vous dis, elles me tuent. J'ai un petit mal quand je rentre dans l'eau. C'est un truc de fou. Et du coup, j'ai acheté ça.
C'est la chaleur. C'est la chaleur. Hier, il faisait 30. Ouais. Aujourd'hui, 32. Ouais. Bientôt, il fera 100. Et aujourd'hui, je suis grave tendue. Déjà, à partir du moment où j'ai pas réussi ma coiffure, je suis tendue. En plus, avec la chaleur, je comprends pas. En plus, moi, quand j'ai faim, je suis aigrie. Ça veut dire qu'il faut pas me parler tant que j'ai pas mangé. Vraiment. Bon, le moment tant attendu. Donc là, je suis sortie. Je vais aller chercher mon équipe et on va aller direction le lieu. Je peux pas dire le lieu parce que après, je sais qu'il y en a certains d'entre vous, vous allez venir. Et en fait, l'urbex, c'est dangereux. Enfin, pas dangereux dans le mode, en mode où c'est bizarre et tout, mais dangereux dans le sens où, genre, en mode, par exemple, si ça se trouve, vous allez tomber, vous allez vous faire un truc et tout, et en gros, ben, ça sera moi la responsable. Et je veux pas parce que je veux pas que j'ai quelque chose sur la conscience. Du coup, là, je vais chercher mon équipe. Et une fois que j'arrive sur les lieux, vous n'êtes pas prêts. Bref, du coup, là, je suis avec Feiji. Là, on va chercher Ryan. Après, on va aller chercher d'autres personnes. Enfin, les personnes, elles vont nous rejoindre et tout. Pourquoi tu caches ta tête? Coucou. Nos caméras. Regardez, à tout Brésil. Oh là là. Un petit pas. Non, je suis en claquette. Un petit pas, hein. Je mets mes chaussures et on va nous faire, nous deux. Vas-y, c'est bon. Ils sont pas prêts. Vas-y. Mais j'aime bien le flow là. T'aimes bien ou pas? Toi t'aimes bien? Mes nouvelles claquettes. Oh là. C'est Nike. Attention, c'est Nike. On est parti au studio. On nous dit ça coûtait 30 euros. Mon ami a ramené 5 euros. J'ai ramené 5 euros. Oh là là. Restez connecté. En fait, c'est dangereux ou pas? On est parti au studio. On nous dit ça coûtait 30 euros. Mon ami a ramené 5 euros. Regardez, attendez, j'ai déjà un truc. Il me dit qu'il bague fort. Par Allah, je dis quoi, vas-y, on parie 100 euros. Par Allah, ma mère m'a pris, il va poser 100 euros pour jouer avec moi. Eh, il me l'estime trop. Au nom de Dieu, t'as vu, quand tu vas perdre 100 euros, il va me dire, viens, on recommence. Moi, je les ai les 100 euros maintenant, si le format est là. Moi, j'ai pas 100 euros maintenant. Laisse-moi aller me déguiser en Itachi, ce code de bâtard. La tête de ma mère pour l'axe. Oublie pas, mettre la cagoule, je vais faire des chaussons. La tête de ma mère. Ouvre pas la boîte à gants. Descends pas de Selen. On est arrivé. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts, mais est-ce que eux ils sont prêts? Non, je pense pas. Et toi? Très bien, je t'ai fait des sprints dedans. Et toi? Je suis fatigué de ouf. Ouais, et toi? Pas de faire en cuite. Non. Elle marchait pas, vous voyez pas les choses. Et aussi, touchez rien avec vos mains. Et venez, on se sépare tous, on court. Non, on reste en groupe et Lina, on la laisse seule. Non, c'est pas cette question. Il y a assez de choses que la carnage. Je vous jure, ça fait trop peur, voilà. Tout à l'heure, les frères. Et à un moment, il y a un collègue à nous, il s'est mis devant nous. Elle a pas reconnu, elle fait Ryan. Voilà, c'est ça. De mariage, boulot. Ouais. Regarde, tu lis ici, il y a des dingueries, subhanallah.
J'ai mis derrière toi. Ouais. C'est quoi ça, hein? J'ai peur. Tu n'as pas fait d'Allah. À fond. Dans deux nuits, sinon tu ferais la prière. Voilà, c'est ça. Allez, on repart. On va dans l'hôtel. C'est quoi là? L'hôtel. Ah, il y a les clubs de Saint-Jacques. Il y en a qu'à vendre, bon coin. C'est ça, les deux, c'est des variants. C'est pas récent ça, Lina ? Quoi ? Regarde la date de transmission sur la bouteille, on va savoir si c'est récent. C'est qui le gourmand là qui a mangé, qui a fait un pique-nique ici ? Regarde, c'est qui le gourmand ? C'est sur le bouquet. Non, mais regarde, regarde ça là. Non, mais sur les côtés là. Mais le ouais. C'est le 5/07/2024. C'est-à-dire ça vient de ouais. Il y a une photo. Arrête. Il y a pas une photo, frère. Ça doit être un mec qui vit là un jour sur deux. Non, c'est plutôt tout. Découvrez Palm Lux, où l'élégance décontractée rencontre le luxe. Notre collection unique est conçue pour ceux qui recherchent le raffinement au quotidien. Chez Palm Lux, chaque pièce est une célébration du style et de l'élégance. Avec des tissus luxueux et des finitions impeccables, nous avons tout ce qu'il vous faut pour un look chic et décontracté. En plus de notre collection exceptionnelle, nous vous offrons la possibilité de personnaliser vos articles parmi des centaines de produits. Ajoutez des textes et des photos pour créer un cadeau unique et mémorable qui fera sensation auprès de vos proches. Que ce soit pour un anniversaire, une fête spéciale, ou simplement pour surprendre quelqu'un, nos produits personnalisés sont le choix parfait pour montrer votre affection. Et ce n'est pas tout. Profitez de 25% de réduction sur tous nos produits. Ne tardez plus. Visitez Palm Lux dès maintenant et découvrez la mode personnalisée qui allie élégance et luxe. Palm Lux, l'élégance personnalisée à portée de main. Bref, là, il s'est passé une dinguerie, ça veut dire qu'on a dû bouger de l'urbex. Une dinguerie, malade. Une dinguerie pour eux. Hein. Voilà, je suis encore choqué. Lui, je sais pas comment il a fait. Il n'a pas eu peur. Mais moi et Dina, on était comme ça. À un moment, il y a eu quelque chose, vous verrez sur TikTok. J'ai attrapé Dina, je l'ai étranglé. Il m'a fait une clé de bras comme ça. Comme direct. Ouais, et j'ai fait mourir. Les mecs, je vous jure, je suis comme ça, ta gueule. Bref. Comment demain, je vous poste la vidéo sur TikTok. Et je pense pas, en vrai, on retournera dans cet endroit parce que là, c'était une singerie. À part si vraiment vous avez kiffé. Mais pas loin de Perpignan, il y a un village abandonné. Complètement abandonné. Tout le village l'a abandonné. Est-ce que vous voulez qu'on y aille, oui ou non? Mais si on y va, parlez pas chinois.
Y'a des sujets? Attends, montre qu'elle a pris une copine chèvre. Tu me la donnes? Tu me la donnes, oui. Ah bah là, il la donne, elle a dit oui. Oh là là, Lolo, elle a fait pas la chose chez Moto. Bravo. Oh baby. Oh. Yo, mara bien la razón. Ahora la la. My tea's gone cold, I'm wondering why I got a... Coucou. Ça va mon amour? Oh là là, l'amour. Oh my god, c'est trop mignon. Tu dis coucou? Coucou, waouh. Comment ça se passe pour pécho quand on est un Maasai et qu'on n'est pas le chef? Il faut avoir des vaches, il faut sauter le plus haut. Genre vraiment, ils font des bons quoi. Et du coup, c'est la meuf qui choisit. Et après, bah, ils peuvent avoir une petite copine. Mais il faut se marier pour pouvoir voir le Bengala. Contenu, il est parfait, intéressant et ludique, et en plus tu t'apportes du bonheur. Après le safari sur terre, c'est parti pour un safari en mer et toujours avec ma Lolo. Du coup, on est censé voir des crocodiles, mais je vous dis, il n'y en a pas beaucoup. On en a vu un après une heure de recherche. On l'a filmé pendant 3 heures tellement on était content. Et qu'est-ce qui était difficile à voir. Ensuite, on a croisé un iguane. Pareil, vu qu'on voyait vraiment pas d'animaux, je l'ai filmé pendant 3 heures. On est resté 20 minutes devant. J'étais choquée, j'étais trop contente. Tout ce bateau juste pour une petite iguane, mais voyez, trop mignon quand même. Ensuite, on a enfin trouvé les hippopotames. C'était un petit groupe comme hier, que des femelles. Ils étaient tous dans l'eau avec les bébés au milieu, comme d'habitude, pour les protéger des crocodiles, parce que les crocodiles n'attaquent que les bébés et pas les gros hippopotames. Regardez. Comme ils se peignent, ils se tournent dans l'eau. Franchement, c'était trop cute, ça valait le coup quand même. Ensuite, le deuxième crocodile qu'on a pu apercevoir, je sais pas si vous le voyez bien, on a trop galéré. Le guide, il se rapprochait, je le voyais pas. Mais oui, il y a bien croco, vous l'avez vu, ça y est. Ensuite, on a vu des petits oiseaux et puis c'est tout. 3 heures de bateau, 4 animaux, mais c'était rigolo. Mes amours, là on est sur le safari boat. Je me suis mis tout devant, j'ai fait la crise parce que Lolo était là, je voulais être à côté d'elle. Oh là là, il a piqué la patate. Ah, il a piqué la patate. Alors là mes amours, quand j'ai fait cette photo, je ne me doutais de rien. Mais en fait, vous voyez, Lolo est en train de parler au pilote. Je dis rien, regardez la suite. Regardez ce qu'elle a fait. Time to Zanzibar, approx 45 minutes, okay? Okay. Please fasten your seat belt, yeah? Okay. Any question? No question. D'accord, bon voyage. Merci. Lolo. Copilote, okay. On peut démarrer. Okay. Lolo appuie pas sur les boutons, hein. Maintenant. Lolo, elle s'est pas amie avec le pilote. Je peux plus. Elle est amie avec toute l'île et même dans les airs, elle a des copains. C'est trop de fou. On est là, l'avion. Ça fait trop peur.
Wesh. Qu'est-ce que tu fais? Tu as mis Bzazel ou quoi? Mais n'importe quoi. Hein? Mais t'es malade, mais il est devenu fou ce mec. Ouais. Merci. Mais la vérité qu'il fait trop chaud. En plus, j'avais ouvert pour mon chat, je crois que mon chat il est même pas dehors. Non. Et si mon chat il est pas dehors, je vous garantis qu'il fait super chaud dehors. Bon allez, je continue les photos. T'es trop beau. Pourquoi tu dis non? On dit merci. Merci qui? Merci ma chérie, on dit. Merci ma chérie, je crois que tu m'as l'air comme ça. Les amours, hier quand je vous dis le service, il m'a mis KO. C'est vraiment, il m'a mis KO. J'ai dormi comme un bébé. Oh, tu consommes, voilà. Tu consommes trop. Arrête. Try to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. crawl over me. You know how I love you when you love it on me. Les gars, la Hashmi House, comment j'ai négligé. Wesh, c'est tarpin drôle, frère. Wesh, on dirait une série sur Snap. Non, c'est trop drôle. Et les gars, les Clash, c'était que des bangers. Boussif vs Anaïs. Je crois que ça s'appelle Anaïs, si je dis pas n'importe quoi. Tarpin drôle, frère. Boussif, elle a fait Hala. Mais les gars, Anaïs, les gars, wesh, elle a l'an, ma gueule. Boussif, elle a fait Hala. Pour moi, Anaïs, elle a tué ça aussi. Moi, pour moi, c'était serré. Genre, peut-être Boussif, elle a gagné, mais pas de trop. Après, il y avait Fares contre l'autre, je sais. J'ai pas envie de dire mal son prénom, je sais pas comment le dire. À ce qu'il y a un truc qui a été coupé, c'est-à-dire on peut pas bien juger, frère. Après, les gars, j'ai vu lequel, il y avait Luki vs Wakilou. Wesh, sur Snap, Wakilou, il avait gagné, mais n'importe quoi. Luki, il l'a éteint. Luki, il l'a lancé. Après, je m'en bien fini. Ouais, c'était marrant. Mais je te demande si tu m'as bien fini, c'est tout, t'es bien amusé. Ouais, c'était marrant, là. Je suis bien amusé, toi, t'es bien amusé. Ah, tu sais quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit pour la Kings League et tout? Parce que toi, tu connais pas ça. Ah, bah, si, je connais. On a fou, là. C'est l'amour fou, mon amour. L'amour fou. Ouais. Il m'a ramené manger dans un endroit, trop mignon. C'est pas vrai, c'est Fares, c'est la durée. C'est pas vrai. Ma vie. Boussif, ça va, je m'as fini. Il a dit c'est fini, là, je vais me rapprocher. Mais je m'en rapproche de toi. Je crois que je m'en rapproche de toi ou quoi? Vas-y, viens, fais de moi. Mais viens, fais de moi. Viens, ma vie. D'abord, mon écho, mais t'as les forts. T'as très fort, mais tu pardonnes. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Anaïs m'a fait un 4-4-2, elle m'a braqué une arme sur la tempe. Elle m'a dit de vous dire qu'il n'y avait rien du tout avec tout le monde. Je m'entends très bien avec Camélia, je m'entends très bien avec Wakilou et Anaïs et Tipaï et Fares et Boussif. Mais ça va bien, je les menace. Du coup, voilà, gros bisous la famille. C'est bon, là, je peux couper la vidéo. Elle est venue manger. Mais pourquoi j'ai venu en camis? C'est ma tenue. Moi, partout, tu vois, je suis en camis. Même demain, il y a pool party, tu m'invites camis. J'étais pas bien parce que tu étais pas avec nous aujourd'hui. Ouais, je vais péter les plombs. C'est à vous, c'est à force de ses paroles. Tu vois, vous avez le droit de sourire. Il t'a juste serré la main, c'est bon? Il t'a juste serré la main normalement, mais peut être énervé. Ça va pas la main, c'est le faire. Mais il a fait comment? Il a fait comment? Je sais pas, il fait une pause. Je sais pas, il fait une pause. Mais je sais pas, tu vas au téléphone là. Je vais pas au téléphone. Attends, vraiment un connard. Oui. Ah ouais, attends. Le remix, le remix.
Ah, il s'appelle Chipai, il est des Chipai. Pour faire ce débat, Chimis met des peuples dans le cul. Je réveille de ça pendant. Depuis que je suis arrivée, depuis juillet. J'ai croisé Anaïs, elle casse les couilles, les refs, elle me traque depuis 2019. Eh, je vous jure, je crois, elle me traque depuis 2019, elle me dit ouais, on reparle. Mais l'espoir. Mais je leur prononce par plus. Mais l'espoir respire. Mais je leur prononce par plus. Eh, parce qu'elle marcelle, c'est narceleuse. C'est un gros menteur. Je vais leur dire la vérité. C'est trop, les blocages, c'est trop.